pouvais pas imaginer la sensation de liberté que ça donne. Ce beau coucher de soleil. Voilà, je sais pas où je vous mettrai ça, dans quelle vidéo, peut-être celle, j'en ferai une demain et je vous mettrai ça au début. C'est vraiment super beau, les couleurs, les derrière les arbres comme ça, la pluie qui tombe tout au fond là-bas. Voilà, c'est super beau. Allez, je vous laisse parce que c'est l'heure du bagna pour nous. Oui, oui. Il y a un truc qui va pas. Bon, voilà, vous avez pu voir ce que ça donne quand on ferme la trappe et que le feu, c'est pas des braises, il y a encore des flammes. En fait, ça fume dans tout le bagna. Donc là, il faut que j'attende un peu que ça se dissipe. J'ai fait du vent avec une serpillière là, pour que ça sorte. Bon, c'est sorti vite. Et voilà. Par contre, je me suis pris une bonne dose de dioxyde de carbone dans les poumons. Il y a des gens qui meurent hein, en Russie dans les bagnas comme ça. Hein. Ils y vont, la trappe se ferme sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont dedans, puis ils s'endorment ou ils s'assoupissent et puis ils meurent asphyxiés. Quoi. Ça arrive. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous mettrai ça en vidéo, en début de vidéo la prochaine fois. All right, Elena, explain what is it Troika today. Какая тройка? What your name? Give Троица. You. Троица. 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 And remove eggs on your nose, пожалуйста. Вот, I do photo video this самопано. Троица is big праздник, orthodox. It's праздник. C'est une fête orthodoxe. Three angel icon, you know? Oui. Праздник about them. C'est la fête pour l'icône avec trois anges. It's not icon, about them, Troïtsa. Troïtsa, Bog. Ah, voilà. Bog, Святой Дух. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yeah. Not Pascha, not this, Troïtsa. And on this day, people in church, when they go in church, it's incroyable. Many flowers, it's young березa, near icon, aujourd'hui, smell, dans les églises, il y a plein de fleurs, plein de d'odeurs de bouleau, de tout ça. Nice. C'est and people go chouette. Club Biché, remind people, and many, many flowers, somebody with this piece березa come for put. Березa, c'est les bouleaux. And but after this Троица, tomorrow, праздник... Demain, c'est férié. Духов день. Духов день, it's mean day about... How, I don't know how to translate духов день. Дух, it's who dead? L'âme? Some. Soul. About soul, да, да, духов день. This day. And demain, le jour des âmes. Day, this day, no right touching terra, nothing. Pas garden, le droit de toucher la terre. Something, nothing, because this day. Pas le droit de faire le jardin. Before they say terra like burning another time. Parce que la terre renaît une nouvelle fois, tous les ans. No, that's, in Russia, it's the most big three of course more, but what me remember from my child's time, it's Kazansky icon Kazansky Божьей Матери, Mother God Kazanskaya. Пасха, Троица. The most big праздник. D'accord. Repeat which one? Казан. Казанская икона Божьей Матери. Voilà. Icon Казанской Матери. Voilà, les grandes fêtes, c'est ça. C'est l'icône de l'icône. It's a little girl to see Mother God oui. In Kazan. D'accord. Et qui est à Kazan? Et puis ça, aujourd'hui. Пасха. Donc, what she do Allah on Claude Bichet? Yesterday, because we don't have other days. Normal time. Yesterday day about remount big родительская суббота. It's day Saturday родительская суббота. It's before some праздник many time.
People remind dead people. Hier, c'était se rappeler des gens décédés. Big procedure in church. People come with many. They put on special table. They write paper names for priest when do procedure. He says their name for God for remind them for nice for them. Put many product give for. Put in church, like that. Les gens amènent beaucoup de denrées à l'église. In church, they have a room where they do food for who work in church, and people who know food, something, they can come and eat with them without problem. Et après les prêtres, les femmes de service, etc. de l'église, ils font à manger, et les gens qui n'ont pas à manger de la ville, ils savent. Mais ça, c'est tous les jours, hein, et ils peuvent venir manger avec eux. And many food they have to take all this food what people come with what they want. Of course they don't come with meat. They come with mouka, bread, confit. Voilà. Que des produits, butter, pas des produits frais. Oil, many products. Pas de viande, pas de trucs comme ça parce confit, que. Confit, chocolate, pecenie, many different things. Des gâteaux, de la farine, des pâtes, people, du riz. And do zakaz zapiski for priest do procedure they name for. Et ils font une zakaz c'est une commande sur une liste, mais ça on peut le faire dans l'année aussi. Elena le fait régulièrement. Où on dit à la femme qui est au petit guichet, parce que dans chaque église il y a une sorte de petite boutique. Donc on dit à la femme, on dit que c'est pour ça. Donc elle prend son papier et puis elle note tous les prénoms qu'on lui donne. Et donc, soit les gens ont une liste, et ça remonte sur plusieurs générations, hein, ça remonte à très loin. Hein. Et tous les prénoms des gens, Elena, elle les donne. On a même aussi traduit en russe les prénoms de mes grands-parents. Parce que si vous donnez, par exemple, si vous dites Jean-Pierre, Jean-Pierre en russe n'existe pas. Donc ça veut dire que c'est pas orthodoxe, donc ils peuvent pas faire. Donc, mais par contre, si vous dites... Jean, c'est Ivan, et Pierre, je sais plus. Là, ça passe. Donc, vous pouvez le faire. You can stay yourself. Stay in church and do this. Say name, пожалуйста. A priest, don't read. Voilà, name, on peut le faire soi-même, mais ça prend du temps. Tandis que si on fait ça, c'est le prêtre qui va le faire après. Et qui va prier Dieu avec tous les prénoms qu'on lui a donnés sur la liste. Voilà. And, many people before this day go kladbishe clean do nice. Donc samedi place, hier samedi clean. Subota it's yesterday. Да, but normal people before Subota do this. Oui, mais before now we won't do, people, we have no time. Before now, because now all people we work like crazy, like everywhere, capitalism. We work before 6 o'clock evening or something. We absolutely no time. And now season garden. We with my house and belle-sœur, oui, avec sa belle-sœur, and her mother of course go qui est vraiment super super gentil. Il suit very nice Allah. And her son who have et son fils, Maxim how old? How old? 12, non? Da. And he helped very much. Il a beaucoup aidé. Because their people, their Allah brother, this her mother's son stay. Of course she won't go paying food, but she go and the principle orthodox. When they go for their place, they go all people, my family, not their family, my family. Et, oui, on fait ça aussi. Quand, par exemple, Allah, c'est la femme du frère à Elena. Elles sont très copines toutes les deux. Et quand elle va au cimetière, elle va voir son frère qui est décédé, elle va voir ses parents, tout ça, mais elle va aussi voir la famille de Elena. Et quand nous, on y va, eh ben, on fait la même chose. On va voir la maman, pas la maman, parce qu'elle est pas morte. Mais le papa, le frère, etc., on y va aussi. Et donc hier, yesterday, she go with paint. She go do paint this, how name this? Alors, je vous avais déjà montré, il y a she des grilles. Do paint her brother, il y a des grilles tout autour des tombes. Et hier, elle a été avec un pinceau agrada et de la peinture. Agrada. It's metallic something around place where stay the people. Not everybody have because it's money, but who can they do? Et elle a repeint cette chose, cette grille. Of course, many we said, for example, she said, I take machine specially for something. She said, let other my cousin Tatiana with my cousin mother when they go their parents and their brother, they remove all that grass from grandparents, my grandparents. Because son autre cousine est venue enlever tous les mauvaises herbes sur les grands-parents d'Elena. Grandparents, Tatiana too. Parce que c'est ses grands-parents aussi.
Of course, Allah go with, but me won't see. And of course, Allah with her mother, with Maxim, they go another time with me. For me, be for. D'accord. Elles avaient fait ça dans la semaine. Et spécialement, alors qu'Allah, elle a mal aux pieds, spécialement pour qu'Elena voit et qu'elle se sente bien de voir que tout est bien, tout a été fait parce qu'elle n'a pas eu le temps dans la semaine, elle a beaucoup travaillé vu que. Elle est dans un truc d'infirmière où il devrait être 4 et elles sont plus que 2 là, donc elle travaille beaucoup. Hier, Allah, Maxime, la maman d'Allah et puis Elena ont été au cimetière pour voir un petit peu, et Elena était contente. And we go see, it's okay, Tatiana remove everything, a little bit I do, but near my, one woman who no have family, but it's from my family, my mother. And bad grass, Allah with me remove many berries, maximum à côté. Berries. Ah, da? À côté, which berries? Klubnica? Ah oui, c'est vrai que dans le cimetière, ici, il y a énormément partout, entre les tombes, etc., des fraises, des bois. Énormément, il y en a partout. Donc hier, le gamin Maxime, là, il en a accueilli. And I go yesterday especially poly, when I stop car, come back, not many, but this place, you can't imagine, many, many. Mais au cimetière, beaucoup, ouais. Mais dans les champs, elle en a pas vu hier. Et oui, alors, je voulais dire que, à côté de la tombe des grands-parents d'Elena, c'est pour vous dire un petit peu comment ça se passe, à côté de la tombe des grands-parents d'Elena, il y a une tombe qui est abandonnée, parce que cette femme, elle n'avait pas de mari et pas d'enfant. Enfin bon, elle est morte et puis voilà. Non, quoi, il y a personne. Marie before, but nobody, everybody did that. Ah ok, donc elle avait un mari avant, mais il est mort, je savais pas. Et du coup, bah, sa tombe est complètement envahie de mauvaises herbes. Donc hier, qu'est-ce qu'elles ont fait? Voilà. Et hier, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tout nettoyé. Voilà. Elles ont tout. Et en plus, Elena a acheté un débroussailleur à batterie électrique. Donc bon, elle s'en est servie. Ah, avec les mains hier, ok. We remove his hand, everything, bardak remove, now possible see cross, and other side metal rope my mother before put, for people don't pass, for don't destroy. And of course, we are like that orthodox. I remove my place, if I see near, nobody clean, maybe no people, maybe no family, we try remove too. It's respect for dead people. Voilà. Elle explique les orthodoxes, c'est comme ça. Quand on va au cimetière pour faire ça et qu'on voit qu'à côté il y a une tombe qui est abandonnée, et ben on la nettoie aussi. And we do this, this woman, Екатерина. But after we see Володя, mother, place, ужас, many bad grass. Maybe he can't come, maybe he's sick. La mère du cousin, elle... Voilà. Il a certainement pas eu le temps de venir, donc ils ont fait aussi. We can, we do. With Allah together, we remove all bardak. Voilà. Ça, c'est un grand principe en Russie, ça. J'ai vu souvent, comme elle dit, c'est on peut, on fait. Voilà. Si le cousin est pas venu faire, on le connaît, il est vraiment très bien. C'est qu'il a vraiment pas pu, quoi. C'est qu'il a vraiment eu beaucoup de travail et il a pas pu venir. Donc, elles ont vu, elles ont fait. My cousin, 2 days ago, she called for me. How you are? Say hello for Nicola. I miss very much you are. And I go to church. Masha, ouais. She say, don't worry, I know you busy, I know you work, I go to church, I put all name, what I remember, ah, don't d'accord. Worry, I put everybody. Elle a dit à Elena hier que ne t'inquiète pas, je sais que tu travailles beaucoup, je sais que vous n'avez pas le temps, tout ça, je suis allé à l'église et j'ai mis tous les noms sur la liste que je vous ai parlé juste avant. Elle l'a fait, c'est fait. Voilà. And we put who dead people, and we put other paper, we can put for healthy, for nice. Ah, il y a deux places. Il y a une place pour les gens décédés. Donc là, j'ai vu le cahier à Elena. Là, il y en a sur 3 ou 4 générations au moins. Et il y a l'autre partie, c'est pour les gens vivants, c'est pour la santé. And possible to zakaz as a special procedure, for example, who sick, who something about soldier, I do specially zakaz. Ah, il y a un truc spécial pour les soldats. Da, priest, for example, I do specially zakaz. It's more expensive, but it's no problem. Priest. Oui, parce qu'il faut payer après. Pray about this name. For each name, how much money does it take? Pour chaque nom, c'est 5 roubles. But the church must live with something. Oui, non, mais je suis ok, c'est juste pour une formation. Because some people say, oh là là, they take money. Young people who start against this, against that, they don't believe. Mm. But the priest, they take money, but all they say, why this patriarch or somebody, they, it's incredible. He priest, he must buy food everywhere. Why he take cool car? I say, why he must go buy food? Why? It's not he by himself and take money from people. It's
They live monastery, many monastery who work with animals, with everything. They sell products. It's the same system. It's system, economic system. Mm-hmm. For example, monastery far away. Les jeunes aujourd'hui. They do bread. Certains jeunes aujourd'hui, comme dit Elena, qui sont dans le pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi j'ai pas le droit si, pourquoi je. Bon, bref, qui sont rentrés de plein pied dans le système capitaliste, mais heureusement, il y en a de moins en moins. Ils sont un peu jaloux de voir les prêtres qui sont, par exemple, le père Vasile, il a une très jolie voiture, un gros SUV, là. Et les jeunes disent, et pourquoi il va pas à pied ou... Alors, bon, bah, Elena leur a expliqué que les. Les monastères, ils travaillent, ils ont des animaux, ils vendent les produits de la ferme. Et puis il y a des dons aussi, il y a des gens qui font des dons. Il y a des gens qui décèdent, qui n'ont pas de famille, tout ça, ils font un don à l'église, ils donnent leur maison, ils donnent tout. Après c'est vendu et puis voilà. Mais c'est pas, j'ai jamais vu le père Basile ou tous les prêtres que j'ai pu voir se la péter avec des trucs riches et tout ça. Non, ils font vraiment leur boulot de prêtre et puis. Et puis oui, pour aller par exemple, le père Basile de Tchebouxari à ici, il y a 200 km, et bah oui, il a une chouette voiture pour venir, oui. Et voilà. Lena, where are you? But because young people, when they listen principe, for example, in Evangelia, or somewhere, people who signed people, not signed people, who people believe God, they must think about things. Ouais. Les gens qui s'occupent, les prêtres, tout ça, ils ne doivent pas penser aux choses matérielles. It's people who normal, they won't eat, they won't this. But they mustn't of course first like other people think about bijoutry, something, money. First about soul, this principle. Voilà, ils pensent d'abord à l'âme, l'âme des gens. Et après, quand il y a besoin d'une voiture, ils achètent la voiture. Mais ils n'achètent pas de maison, la nourriture, la nourriture, elle est très simple. Hein. Déjà, il n'y a pas de viande dans les monastères. La viande, je crois que le monastère de Tchebouxari du Père Basile, il y a une ferme. S'il l'a toujours, j'en sais rien. Et il y a des animaux, bon, peut-être qu'ils vendent la viande, j'en sais rien. Je ne sais pas qui ou quoi fait quoi. Mais voilà quoi. Donc it's a nice day. Me happy because I know everything. Me only sad we don't do zakat before this праздник, this metal box from the father for organization this place. Elle est un petit peu triste parce qu'on n'a pas pu parce qu'il y a pas de sous. It's not nice. Pour, me sad because human must find time for this. Pour acheter ce que je vous avais déjà montré au cimetière, les grands rectangles en métal qu'on met sur les tombes en fait pour délimiter exactement l'endroit. On avait prévu de faire ça et puis son papa avant de décéder avait demandé toute sa vie il a beaucoup aimé une poésie qui dit un truc du genre toi qui passes devant ma tombe je sais pas quoi enfin bon bref il a une poésie comme ça et il voulait que ça soit mis sur une plaque et mis donc ça aussi, on doit le faire aussi, ça. Hein, Lena? About what your father's poem, what you want? They say, found somewhere example, the photo. No. What's this poem? It's, I don't know from where he found. No. Нет, подожди. Я посмотрю только. It's, my father very clever. He studied nice in school, he studied nice in... Okay, but what's this poesy? It's poesy, me. You know? I don't know from, да. Да, I say. Остановись. It's from poesy, some words. Say. Остановись, прохожий, посети мой прах. Я уже здесь дома, а ты еще в гостях. And after I try searching internet, what is it, from where he takes this word, strange. It's some poet who live in 20 years, some 20 years, silver time, in house, before... Little bit after revolution. Dans les années 20. Да, it's full poem. It's very interesting. Voilà, c'est juste la partie d'un poème. Да, because my father. And what does it mean? People who pass. Les gens qui passent. Stop, прохожий. It's people who pass. It's прохожий. Oui. Остановись, прохожий. Stop here. Arrête-toi ici.
come see my place, my my viens, prach. Viens voir ma, viens voir mon endroit, ma place. Not my place, my prach. It's what stay after me. It's name prach. Остановить прохожий, посети мой прах. Do visit like my place. Me here at home, are you only guest? Je, like ici c'est ma maison et tu es juste un invité. It's like it mean when you leave, little bit sometimes need think about. Stop your moving, need stop sometimes and remind people this. Donc ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire que il y a des fois il faut arrêter de bouger, de faire des trucs, de courir partout, de ça, s'arrêter et penser à ça. But need understand, human it's human like everywhere. Some people like we are, some people not like that. And need understand, priest it's not signed people, it's people who do that this job. Priest not need to wait from them. Oh no, la la, they do this. It's normal people who can do a mistake, who can do this. For me, priest it's a big psychologue. It's not, конечно. Because they know all the time what of needs say for people when they. Not only but some priest they, it's like we say, found your priest. It's very heavy. Like found your psychotherapist. Mm-hmm. It's very heavy because mm-hmm. with somebody you connect. Ils disent, trouver son prêtre, c'est très difficile. C'est comme trouver son psychothérapeute, quoi, un peu. But I explain, need understand, people different. It's normal. People different. For example, me, my belle sœur, like that. As a belle-sœur, she no time, oh, she don't run like we are. She don't run this place. She go, okay, so she don't do like crazy like we do. For example, yesterday, 2 days ago, me won't cry because my brother, me sad very much about my parents. My brother, absolutely, they don't go кладбище. For them, it's they remind, they think about, but they don't show this. And they don't go like me, for example, each time. They other. Voilà, elle parle de ses frères qui sont ses deux frères jumeaux qui vont, elle a failli pleurer hier ou avant-hier parce que ses frères ils pensent à leur mère, à leur père peut-être, enfin à leur père they moins je pense help, mais last time they go with me but they not like me. Mais they ils vont pas au cimetière. Alors si il y a 6 mois ou je sais plus, il a après l'hiver il a fallu aller pour faire quelque chose et je me souviens on y a été avec son frère. Avec ses frères. But like we speak with my other cousin, Volodya, he say, Yelena, we are last who come here. Son cousin Vladimir a dit, je pense qu'on est les derniers à venir comme ça. Les nouvelles générations sont pas comme ça. Mais Elena pense que non. Because of course, for example, like Alice say, Matri, we come. With Maxim. Maxim see what the matter, bah he oui, fell. Oui, oui. Sa belle-sœur là a dit qu'ils viennent avec Maxim qui a 12 ans, ils voient ce qu'il y a à faire, tout but ça. But it's mother, a he boy. If it's father go with them, if father go, and father explain, Maxim this like that, this that, Maxim stay in head. Because mother, maybe he remember, but after, maybe forget. It's not the same. When family together, they go together with child. But sometimes not like that too. Sometimes mother, father like that, teacher, but father. And what you think about what's the matter in Ukraine now? Why? What is that? I don't want to speak about politics. What's the matter in Ukraine? What is bardak? We speak about priest Orthodox oui, and voilà, do voilà, it about voilà. Ukraine. You want everybody to see your character? We are connect character. You speak with one after the other. Strange. About Ukraine, I think in the time all is okay. I think in Ukraine many normal people clever, who understand. But some days ago I see sujet, have one Russian man. He little bit older. Elle dit bientôt tout ira bien parce qu'en Ukraine il y a plein de gens intelligents. And this man, chat roulette, you know? You can't imagine all the time how many jokes. Chat roulette, it's one Russian boy create. Chat roulette, you see online, you push button, computer, somebody come. Computer. You don't know who come for donc, you. Un Russe a fait quelque chose sur all chat roulette. Je sais pas si vous connaissez. One time, girl Ukrainian, they say like they know everything, ta-ta-ta, la-la-la. When he starts speak with them, sometimes how they speak these people, incredible. Not oui. Ukrainian only, young people. And one time, up, two young boy. Hello, hello, and they speak Ukrainian language.
Okay, he don't show too much emotion. He speak. He say, and they say, they are, how they say, mascal, mascal. They won't remove. He say, no. Подожди. Мы live in Крещатик. Мы live in Kiev. They say, ну-ка, say, давай, with the Ukrainian language, this. He say, подожди. Why must do this бардак? He say, because you mascal. He say, we live in Крещатик. Mascal, c'est comme ça qu'ils appellent les Russes, les Ukrainiens. He say, we live in Крещатик, the most cool street in Kiev. Flat number this, house number this. They say, да? He say, wait. He say, but me like you. What you speak about? Me like you. Давай, we speak little bit sometimes, boys. And what about what? I don't want to speak about Russia. He say, I'm not about Russia. I want to. What you think about why he say why they are like Russia do like we are he say like what you think about like why we are like Ukrainian too we are fight with Russia boys they say we don't fight they jump for us he say да you think can you, of course you see what the matter you see video how Russian soldier do rap for child for boy little tata he say да. But now it's calm and absolutely. He say, now if you want, I speak and prove you it's absolutely not true. And you say for me after you lie. Say no, I don't want to say. Подожди. Be adult. Давай together we speak. Me many reason, and you say for me this or not. First reason, you won't say for you are nothing in from Russia. Nothing in from Russia. We won't be in European. Да? 100% nothing need for Russia. From Russia, for you, for Zelensky, nothing need, you sure? Конечно нет, да? And now listen me, my child, why say for me, we see all the time video, bomb go here, bomb here, here, destroy here, building, child, people dead, here, бардак, та-та-та. Why we never have news when bomb go for газопровод, where tube gas go? You know gas tube? I hope you know gas tube past your country. No, it's not past. Да? Давай, open Google. Open Google, see in map where gas tube from Russia. Oh, да. And you can explain for me why never from you, from us, never bomb go for tube gas. You know why? Because your Zelensky, your president, or I don't know how you now, what the matter name, he lie for everybody and for you too. He fight need against Russia, need this, that, but really he continue do business with Russia, if you know. He continue use from Russia what need for him. And you are this don't know. And about rap for child, so Russian soldier, who do this news? Who show this? It's a woman there, press secretary, something, I forget name. And you know what the matter with this woman? Because absolutely no have proof. And your Zelensky, your president, push her from her place with позор, like какашки remove. You know this? He say no. Давай found video. Me, давай write in Google this name woman. And what the matter? So if she finish, you know, because your president push her out because she do too much liar. And boys, they speak like, this man very interesting all the time. Somebody chat roulette something and. And now he said, now say who liar. Давай say you are liar. Boys, after I close because not too much interesting finish. But me sad only about people who really, young people, really don't understand what the matter why. And in Russia too, me know some people who say, for what this why now? Why people fight? They don't understand. Many years before they start, fascist come back. Yesterday we have big important day, 22 June. Fascist jump on Russia. Me remember my grandfather. 1941. So, 41 year. Fascist jump on Russia. Me remember my grandfather. Me remember how he is. And me, when I see young people start a little bit, don't believe or something, me absolutely sad. Yesterday I come see TV because I start crying. Because I know what is it, война. And I say all the time, my grandfather in their place dead, I think he torn inside his box. Because they fight not for this, they never imagine people can forget for this fascism and start another time война. They never imagine.
в кошмар. And I know nobody, normal people, nobody want война, nobody. It's very it's nice. Game, big high politic game. No, it's very, nice what you say, because many times in YouTube channel me speak about this, but me, I am French, but perhaps people when they see about what you say, you Russian, they understand more. Who don't want to believe? More important, the most Russian people, they big sad because all the time friends with Ukrainian people is like sister brother. It's agreeable. But we are clever, we understand it's not. Of course, in Vojna too, many from their place go for fascist work. Many. But strange how they quickly forget what they have in this Vojna. From fascist exactly. How many people dead? What they do with their people? It's кошмар. And they with them now. But this fascism, it's not in Ukraine only, it's wake up for all the world. In Prebaltica, in Italy. In Prebaltic, да. In Italy, many кошмар. I see video, it's ужас. They stay, jump, for me, it's people who absolutely not clever. If they know what is it fascism, for what they won't be, have this political line, fascism, what is it? They are normal, it's human code, normal human, organization human, it's must against. Human, it's ideology, it's help for us, be high moral. A fascist, it's порабощение, who one up, other down. Use other, it's fascism. Normal human. But like in Ukraine human, now. When God do human, it's you absolutely see, you see, against. Lena, west of Ukraine, for example, Lviv, it's center of fascism in Ukraine. All historic, and, this place. And young people from this town, they don't go Vojna. But other people, no, they don't go. And other people from Ukraine who speak Russian, who Zigan, who from Romania, etc., they go for Vojna. It's these people who do Vojna. They don't go. They push them. They for push go. Them. Oui, they yesterday, push them I see sujet. Another time, many young people, soldier, they run for Russia. They want Russia take them. Why you know? They say they don't do fight one time because they take them. They drop them in Vojna, and they only in Vojna. They quickly they go for Russia. They say we won't leave. We don't want go Vojna. They don't ask. When you see video, how they take them, it's кошмар, but in Russia, of course, many people don't want to go Vojna. It's normal. Who be dead? Who won't be dead? Nobody won't be dead. But have many men who won't go Vojna, not for kill somebody, but for stop this debilin fascism, because they remember their grandfather. They know what is it fascism. They don't want this capitalistic кошмар. Come for here. We have enough. Everybody yeah. see, everybody understand. Young people now, not... But it's so, it's new generation, new life. We can't do something. Need resist this. But we can't little bit control, minimum. Because they don't understand too much, young people. Where this line go? What's the matter? Human for them not interesting. For them interesting only pleasure. For me. Pleasure. They don't understand. It's impossible live like that. After human finish, if they continue like that, it's голубой, it's лесбиянки, та-та-та-та-та-та. LGBT. It's LGBT in Europeans. Need resist this. They right live. No, they don't right. It's sick people. Need heal them. I understand some people really sick. Гормон problem or something, or psychological problem. But it's not need show for everybody. All historic we have пидорас, it's голубой, who man with man. All historic have this, Greece, Rim, everybody know. It's all historic have. But why Orthodox against this? Why? In Bible write about this, no write this, it's not nice, it's ужас. Why? Use your brain. For what this? It's not because, no, it's not nice, not only for this. Because if people do this, finish life. When man with man do this, they have chance? No. When woman with woman do this, have chance? No. It's Sodom and Gomorrah, it's two towns in Bible, they write about, they pull down this, because they do this. And when people too much think about only pleasure, so finish normal life. It's finish after. We have nice poem in Russia, I forget, Zabalovsky, I think, poet, right?
her poem about... J'ai pas le temps de traduire, hein. J'espère que vous comprenez. It's a poem about soul. Не позволяй душе трудиться, душа обязана... Не позволяй душе лениться, душа обязана трудиться. Гони ее от дома к дому. After that, it's a poem about soul. Don't let your soul be lazy. If you eat, sleep, все, your soul, все, you don't have, only body. Your soul must have big job. You must be sad, you must, all, it's soul. What you feeling, it's your soul. And what you eat, it's only body. If you have only body, it's not human, все, it's animals. But excuse me, animals sometimes more nice. And me believe animals have soul too. Me, I don't want to eat them and bad like this. And how but, teach... But put little cat and douche a schlick, it's nice, no? Ой, господи. Very clever. Ah, ça, c'est, vous voyez, c'est family, typiquement russe, ça. Typiquement russe de faire... Ça va, do another time? Не знаю. Do another time. Like, do, your mother, she does this all the time. I can't specially. She do... Voilà, comme ça. Normal orthodox, they say, God teach. Don't forget, when you think about you, don't forget about, как это, say, little brothers, it's animals, who live for you. They don't ask you take them cat or dog for home. They don't ask you if you take them. Please, do nice life. They must have nice life. Why, if you take them, why they must horrible life? Like somebody staying caca, stay not clean, without food, it's кошмар. Woman yesterday say, I don't know, true or not, about Oksana dog, they like bones, like they don't have food. For what you take the animals, let, if you come to you food normal. My grandfather, he all the time say, first, you must, when you wake up, first you give food for animals, after eat yourself. Why, you know? Because you can take all the time what you want. They know. They wait you. They see on your eyes. They believe you. You need respect for them. Like in Garden 2. Все, конференц, финиш. In Garden 2, need a nice garden, poetry. It's your place, ну что, need do nice. Terra, my все, mother teach Лена, me, спасибо. Подожди, no, important. My mother teach me, before starting 30, garden. 35 minutes de blabla de Lena, enfin de blabla, non, non, c'est in pour, spring, c'est before, ce use Terra, before start something in Terra. Mais quand elle commence à parler, on ne peut pas l'arrêter. She say excuse for Terra, before you start use. Because she say, we are human, we do not nice for nature all the time. And before start season, she say for Terra, excuse me, my mother, Terra, excuse me, we do not nice. Please, excuse me. This what stay from before Pravoslava? Не знаю, my mother do like that. They, maybe c'est, they teach her like ce, that. Ce genre de truc de dire, de donner des, ses excuses à la terre it's avant, respect, avant au it's... début du printemps, avant de la travailler, tout no, ça. No, ça vient des it's croyances d'avant la chrétienté. En fait. Not important. Important. She understand. Et les Russes continuent nice. À avoir ça. She understand. It's from before religion or this. Not important. For example, when we go forest for national, my mother, it's Мордва, Эрзя. For them, forest, it's not men who control. Not men, it's women. And when we go forest, all the time we let something. Like ah, да, your mother does this. Me too. Last time I do, she say, молодец, хоть и чё, I say you. And my grandfather, because I remember when my grandfather come back from forest, when he go for berries, for something, he come, he take with him food, and for example, he don't finish eat, egg, piece bread, he come, we wait all the time, he come, he say, it's for you, egg, it's a лисичка, a little fox, send for you present, piece bread, right, it's a зайчик. Give for you. Oh, you can't imagine. Like it's a зайчик for me, incredible. It's test. My mother say with this all my life I can't eat кролик meat. I can't say for me it's my friend. My father come from forest. Give for me. It's зайчик. Give present for you. Send. How I can me? Зайчик, c'est un lièvre. Да, кролик, зайчик. Кролик, лапин, зайчик, лièvre. Ну какая разница? Зайчик, little child from кролик. Voilà, we are like that. We too much feeling. My, this belle sœur, she's the same.
Ah, là, she does it too. She be feeling too much for everything. And her son, Maxim, I say, Allah, how he living life. He boy, but he too much tender. He like it. Yesterday she sent for me photo. 2 days ago he go with father fishing. Like that, some he take. He happy. Each day he really go. Forest, river. It's, say, how he live, middle, this new generation he's. But he live nice. Middle. No, he don't want Pionerski lager goal. He don't want, he normal connect, but not too much interesting for him. Ok, et ben merci Elena. Merci. Обращайтесь. Quoi, qu'est-ce que tu? Обращайтесь. Что это? If need, ask. Ah, if need, ask. Voilà, bah, c'était intéressant. Да, middle life. Like life, need no price, everything what you have. Voilà, il faut connaître le prix de ce qu'on a. Connaître le prix de ce qu'on a. Da. Allez, salut. Salut. Avec les parents. C'est très triste que en France tout ça, ça soit perdu. Il y en a encore, mais vraiment très peu. Ici, c'est dans tout le pays. Oui, c'est ça la petite boutique que je vous ai dit qu'il y avait dans les églises. C'est là qu'on commande, qu'on achète des bougies. La dame note les noms qu'on lui a donnés, dont je vous ai parlé ce matin. Bon voilà, alors ce que je retiens, c'est qu'il y a énormément de monde et que en fait j'ai vu des choses intéressantes. Par exemple, toutes les jeunes filles qui avaient 12, 13, 14 ans, elles avaient ce qu'on appelle platoc, c'est-à-dire le fichu qu'on met sur la tête. Pas de pantalon, donc une robe ou une jupe, et leur téléphone portable dans la main. Mais malgré cette nouvelle génération qui est avec son téléphone portable tout le temps, et ben vous voyez, elles viennent à l'église et elles restent pas dehors, quoi. Elles sont avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, et puis tout le monde est là pour enfin, elles sont là, quoi. Donc c'est, je trouve ça super. Beaucoup d'enfants qui sont
qui sont éduqués par leurs parents, leurs grands-parents, qu'est-ce qu'il faut faire, ils leur expliquent qu'est-ce que c'est la truite. Hein. Voilà. Je sais pas si vous allez voir derrière moi là, mais beaucoup d'enfants sont venus en vélo. Là, c'est les gens qui sont devant, qui prennent le soleil un peu. Voilà. Bon, c'est super important pour la Russie aujourd'hui. Vous comprendrez que beaucoup de gens prient pour les soldats. Elena l'a fait ce matin. Moi aussi. J'ai rencontré là des dames qui font partie de l'association des femmes et des mères des soldats, qui sont là aussi. Enfin bon, c'est... Je suis triste que vous n'ayez pas ça en France en permanence. Voilà, c'est assez triste. Parce qu'en fait, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de bonheur, ça apporte beaucoup de plaisir, ça apporte beaucoup de on se sent bien. Enfin, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien. Bon, voilà. J'ai vu comment les gens me regardaient. Tout le monde sait qui je suis, donc... tout le monde sait qu'il y a un Français qui vit ici. Bon, bah écoutez, voilà. Donc maintenant, on va aller au cimetière. Donc je continuerai peut-être la vidéo là-bas, si je peux. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le deuxième cimetière où on ira, qui est le cimetière de mon village. Où on ira voir le frère de la grand-mère à Elena. Une dame que je connais qui était la marraine de la maman d'Elena qui est décédée il y a un an à peu près. On ira faire ça tout à l'heure. Donc j'espère que j'aurai de la batterie et j'espère que je pourrai vous montrer tout ça. Voilà, allez, à plus tard. Voilà, on continue la procédure. Donc évidemment, on est passé ici. Voilà, pour les soldats d'aujourd'hui et d'avant. Voilà, ma fleur elle est là, rouge au milieu. Ici, c'est pas énorme, mais bon, petite fleur, c'est le principe. Voilà, vous voyez, tout ça, ça date du 9 mai. Beaucoup de choses, je pense. Ça se voit à les couleurs qui passent un peu avec le soleil, vous voyez. Voilà, comme dit Elena, le 9 mai, il y a beaucoup de vraies fleurs qui sont là. Bon, bah allez, suivant. Where are we going now? Grandfather? Le grand-père, la grand-mère d'Elena maintenant. Bon, j'ai perdu Elena, je sais pas où elle est. Vous entendez, c'est calme. Donc vous voyez, hein, une fois de plus, pas de drapeau russe, pas de soldats morts. Pas ici. L'autre côté, dans le nouveau cimetière, peut-être il y en a quelques-uns, mais on va voir. Je vais y aller maintenant. Donc ça vous fera une idée depuis que j'en avais fait une l'année dernière, ce qui a changé en plus, en moins. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de soldats morts en plus. Voilà, j'aimerais bien, je dis toujours à Elena que si je claque demain, j'aimerais bien être ici. Au milieu des arbres, au milieu des sapins, au milieu de... Alors Elena dit non, c'est pas bien, parce que quand un arbre tombe, personne s'en occupe, ça reste sur la tombe. Non, là, il n'y a rien de comme ça. Là. Alors, vous voyez les vieilles tombes, là, avec le bois bleu. Là. Ça, c'est hyper vieux, c'est 1800 quelque chose. Ici, il y a un héros de la Seconde Guerre mondiale, un pilote, voilà, qui est mort en 1941. Un est mort en 1941, à droite. Ça devait être deux frères, je pense. Oui, c'est deux frères. Et l'autre est mort en 1987. Voilà.
Bonjour aussi pour ceux qui veulent vivre en Russie. Que vous compreniez la différence entre vivre à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, avoir une vie de citadin, quoi, et vivre à la campagne, comme ici, avec vraiment des Russes, avec la vie russe, avec le cimetière russe. Alors certainement qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg, ils ont plus d'argent, donc c'est plus beau, c'est plus... Là, vous voyez, quelqu'un a fait refaire la... Il est en train de faire refaire le tour. Certainement, ils vont mettre des carreaux. Voilà, vous voyez, c'est pas la même vie. J'ai pas du tout la vie des Français qui sont à Moscou ou qui sont à Saint-Pétersbourg. Pas du tout, du tout. Voilà. C'est pour ça qu'en général, les gens de... Je trouve que les gens de Moscou et Saint-Pétersbourg sont très arrogants, se moquent des gens comme moi qui vivent à la campagne, se foutent de ma gueule parce que j'ai des chèvres, des trucs comme ça, mais en fait, je suis mille fois plus heureux qu'eux. Ça, ils comprennent pas ça. Bon, bah, j'ai définitivement perdu ma femme, je sais pas où elle est partie. Je vais l'attendre à la voiture.